Avant, tu montais, tu tombais. Tu montais, tu tombais. Tu montais, tu tombais. Le tout cela. Tu vas chercher ta chute, tu ne vas pas trouver. Oh là là. Une capture d'écran de ce que tu veux. Va chercher ce que tu veux. Tu fais une capture, tu reviens me montrer. Ma chérie, il n'y a même pas de amen sur ça. Il n'y a pas le amen. Tu as déjà souffert toutes les souffrances de ta vie. Tu comprends, hein? J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui me connaît depuis 2019. Depuis 2022, cette personne travaille pour moi. Et début 2023, j'ai perdu son contact. Donc, comme j'ai mes secrétaires qui répondent maintenant, quand elle répond, elle ne donne pas. Elle ne donne pas le truc aux gens. Ne donne pas le message. Donc, hier, je suis responsable, je dis que, ouais, Seigneur, il faut que le gars m'appelle, il faut qu'il m'appelle, parce que j'ai besoin de lui pour faire les travaux ici à la maison. Donc, voilà ça que 12 heures de temps plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, bonjour, Carles Antonio. Je reste comme ça là. Il appelle. J'entends mon assistant au téléphone avec lui. Il dit oui, c'est monsieur Tel, oui, madame. J'ai dit non, donne-moi le téléphone, je l'attends, j'ai prié pour que l'homme s'y m'appelle. Maman. Il me dit, j'ai un de tes collaborateurs que j'appelle depuis là. Il ne décroche pas. Je lui demande tes nouvelles, il ne me donne pas. Il vient, il regarde. Tu vois, quand les gens t'ont connu, tu étais dans le trou. On sait que depuis, tu es dans le trou. On sait que quand tu dis tes choses, que je vais arriver, je vais. Depuis 10 ans, tu dis que tu vas créer l'entreprise. L'entreprise, elle n'a jamais donné quelque chose, non. Hein? Je suis là pour t'annoncer que c'est fini. Oh, you are. Tu suis. Il est arrivé, il n'a même pas parlé. Et il m'a en fait dit que même cette personne-là m'escroquait même déjà depuis longtemps. Cette personne-là. Parce que Dieu a éloigné de moi. Je suis, tu sais que les choisis, elles sont des personnes tellement généreuses. C'est dur pour quelqu'un de venir à côté de toi et ne t'escroque pas. C'est dur pour quelqu'un de venir à côté de toi. Il reste. Parce qu'il va voir ton fonctionnement. La tentation, ce sera de te prendre pour une idiote. Il ne sait pas que comme ça sort, là, ça entre. Comme ça sort, ça entre. Donc, tu. Il est resté seul, il veut me donner la nourriture. Je n'ai même pas pu manger seul. J'ai commandé la nourriture, on a préparé. Dès que la nourriture arrive, c'est là. J'ai donné pour les ouvriers, j'ai donné pour tout le monde. J'ai donné, donné. Moi, j'ai mangé la même qualité que mes ouvriers. Les choses ne peuvent pas rester. Donc, moi, il connaît moi déjà. Comme ça sort là, le soir encore quelqu'un va me donner, je connais bien. Donc tu vois comme tu étais habitué. Le tout c'est que vous ne connaissez pas que votre cœur libéral c'est votre puissance. Vous ne connaissez pas. Your free. Attendez, je cherche que. J'ai envie de mettre ma couronne de fleurs. Attendez, mais. C'est ma couronne, ce sont mes cheveux, non, c'est dans mon direct, non. Alors, attendez, les portes, vous laissez m'attendre. Moi, je vais même vous laisser là-bas à TikTok. Ah, il m'arrange bien. Le choisir parfois peut se laisser épuiser. Tu peux te laisser épuiser par les Decepticons. Les Decepticons vont venir, dès qu'ils arrivent à côté de toi, ils voient ta lumière.
Ah. Mais là, tu vois, dans ta maison, il y a toujours beaucoup. Tu vois, on t'apporte même les factures, les choses, tu ne gardes pas de choses, tu dis payer. On dit, mais ah! Mais j'ai trouvé mon boutoukou. Et ce qui m'a gagné un peu, c'est que, avec tout ce que les gens m'ont dit que la personne-là m'escroquait, c'était quelqu'un à qui je faisais beaucoup confiance. Tu vois, quand tu laisses certaines de tes affaires que la personne gère. Oui. Même avec ça, la personne pleurait toujours le guémé. Et quand la personne, quand elle découvre, parce qu'elle me disait, je ne croyais pas toujours, c'est parce qu'une amie part dans mon magasin. La personne prend une chose qui n'est pas ma part. Vend à ma personne. Elle sort du magasin et dit que l'autre aussi c'est trop. Je dois lui dire. Elle m'appelle. Elle me dit que quand tu as le temps, on parle. Je sais que tu as confiance à telle personne. Je sais. J'ai vu le produit, il n'y avait pas l'étiquette. Je sais que ce ne sont pas tes produits. Quand la personne, quand elle a parlé comme ça, je dis d'accord. De toutes les façons, on m'avait déjà dit. Mais moi, je ne prends pas la décision rapide. Je suis lente à la colère, mais quand ma colère commence, tu peux croire que je suis le volcan. Je demande à la personne. La personne dit d'abord non. Non. Il dit ok. 2 jours plus tard, la personne dit voilà, j'avoue, je suis désolé. Je dis donc à la personne que je renvoie la personne. Hein. Je renvoie la personne. La personne porte tout mon argent qui était dans sa caisse, dans ce département, dans cet endroit où j'avais mon business. Pas avec. Vous suivez bien. Tu m'escroquais. Tu vendais tes produits à mes clients. Tu fais, tu portes mon argent, tu pars avec. Après ça, tu viens me dire que je te dois encore de l'argent. Il dit, mais avec tout l'argent que tu m'as escroqué là, tu n'as rien fait avec. Donc tout l'argent là depuis deux ans là, tu n'as rien fait avec. Quand j'ai reçu la personne aujourd'hui, lui dit que il regarde. J'ai compris que la façon dont Dieu fonctionne. Règle numéro 1, ne change pas ton cœur à cause de quelqu'un. Tu me suis? Ne change pas ton cœur. Le cœur que tu as là, c'est ça ta force. Il sait que vous ne savez pas. Le cœur que tu as là, que sur aucun tribunal spirituel, on ne puisse te trouver là-bas, on dit qu'elle m'a fait ça. Aucun tribunal spirituel. Non, mais tu fais, j'ai volé chez elle, ou c'est elle volé pour moi, non? Yeah! Non! Parce qu'elle vous dit toujours, c'est comme une case que vous êtes en train de remplir, c'est comme un seau que tu mets là-dedans. Parce que quand ce sera plein, hein, oh là là! Tech custom, peut-être tes blocs d'abord. Il y a tes fausses questions ici, j'en ai rien à foutre. Tu vas aller sur Google. Va sur Google. Va sur Google, Lula. C'est comme ça que Dieu va toujours mettre les personnes qui auront la bonne volonté pour te servir. La bonne volonté. Ils vont venir chez toi même quand tu n'es pas là pour faire ta chose. Ils vont faire comme pour eux. Tu seras choqué. Jeannette Kenyé, quand j'ai parlé là, tu as compris quoi dedans? Tu as compris quoi dedans? Peut-être te bloque même aussi. Hop, trop bon. Tu parles, qui parle de bonté ici? Tu es chiche. Onam. Oh, you are. Trop bon, trop con. Onam. C'est pour ça que tu dis que tu es trop bon. Tu donnes ta chose à quelqu'un en pleurant. Une main donne, tu es en train de pleurer de l'autre côté.
Avec tout ce qu'elle lui a donné, avec tout ce qu'elle lui a donné, ne fais pas qu'elle commence à parler, cela, pardon. Ne commente plus pas qui tu montrais. Voilà. Si tu sais le nombre de personnes qui t'ont jalousé, qui ont comploté derrière toi pour que tu tombes, te voilà toujours debout, non? Te voilà toujours debout, non? Look at you. Turn around. Turn around and look at yourself. You're looking. You're looking pretty, girl. On te laisse dans le trou. On revient l'année d'après. Tu as augmenté. On revient l'année d'après. Tu as augmenté. On revient l'année d'après. Tu as augmenté. On dit que, hey, il y a la, c'est quoi la femme, c'est à quoi comme ça là? Qu'est-ce que la femme, c'est à? Je vais vous prouver, vous allez voir ma vie. Je vais vous prouver que tu peux être juste. Et la justice dans laquelle tu vis devient une puissance. On est trop dans un monde d'injustes. On prône l'injustice. Oui, ah, non, il faut être méchant. Je m'appelle un jour. C'est un membre de ma famille que je ne vais pas désigner, m'ont fait du mal. Oh Seigneur, je suis resté comme ça là. C'est entré jusqu'au fond de mon cœur. Tout le monde dans la famille disait que fais attention, fais attention. Je disais non, je maîtrise. Moi, merde. Et finalement, on fait ça dur. Gâter mon mariage. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je m'appelle Christine en 2018. Je suis restée comme ça là. Je sentais comment mon cœur durcissait. J'ai dit, Seigneur, je vais devenir méchante. Je vais devenir méchante. Tu as reçu un pauvre chez toi. Hein? Et t'as dit que pauvre, il va laisser son énergie pauvre là chez toi. Continue. Recevez toujours les pauvres chez vous. Et je m'appelle clairement, le Seigneur m'a dit, ne le fais pas. Je voyais déjà comment je vais devenir Tisa. Je vais gâter les mariages des gens. Je voyais les plans dans ma tête. Quelqu'un m'énerve, je l'insulte. Les grands de la famille, là, je les insulte, je manque de respect. Je voyais arriver tout gâter dans ma vie. Dieu me dit non. Tu fais pour aider les gens. Ça m'a énervé sur le coup. Hein. Ça m'a énervé. Tu imagines un de tes petits frères te faire quelque chose de mal dans la famille. Donc, tu es grand, tu les dépasses de 10 ans. Un truc se passe dans la famille, on te dit, appelle tes petits frères pour t'excuser. J'ai dit que... J'ai digéré, j'ai bu l'eau. C'est descendu. J'ai bu l'eau, c'est descendu. J'étais pauvre le temps-là. Hein. Pauvre, sans kaolo, n'ai pas de papier, rien. Pauvre! Se moquer de moi. C'est là que Dieu m'a fait des promesses. Que je vais t'élever, ça va surprendre les gens. Je vais t'élever, ça va surprendre. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oh là là. Tu vois, quand tu vis, il n'y a plus une peur dans ton cœur, non? Tu n'as plus peur de quelque chose. Oh non, je vais prendre l'argent. Oh, je vais. Non, 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 non. Si Dieu te dit aujourd'hui que vide de ton compte. Seigneur, j'envoie à qui? Seigneur, je dépose à quelle heure? Quand? Voilà comment tu commences à fonctionner avec Dieu.
Moi, ils t'ont dit que ces gens-là allaient me voir dans la télé. On ne me connaissait pas encore en ligne. 2018, ça fait 5 ans qu'on ne me connaissait pas encore sur les réseaux sociaux. J'avais toujours dit que vous allez me voir dans la télé. Vous allez seulement me voir que dans la télé. Oui. Ce n'est que dans la télé que vous allez me voir. Dieu n'a pas besoin de ton opinion pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin de... Même si tout le monde te déteste et que Dieu est de ton côté, couche-toi, tu dors. Couche-toi, tu dors, tu mets la chanson de la pluie qui tombe même sur ton téléphone, tu joues sans boucle. Donc, dors sur tes deux oreilles, sur un oreiller. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas ton père qui t'enrichit. Pas ton copain. C'est la bénédiction de Dieu. Une fois que tu as compris ça, hein, on vient de dire, et tu es sûr, vraiment, regarde, depuis que vous m'écoutez là, est-ce que vous deviez insolent dans votre famille? Oui, il y a une là, elle est venue ici l'autre jour, j'ai travaillé sur elle. Aïe, maman. Il y avait que c'est que Satan qui a parlé à travers elle le jour là. Merci pour les lunettes. Satan se lève, il dit que c'est moi, Satan. Il dit, hein? Oui, tu veux la débloquer, pourquoi? Pourquoi tu veux la libérer? Je l'ai attachée, j'ai pris ses enfants, j'ai pris son étoile. J'ai dit que tu vas sortir de son corps aujourd'hui. Oh, Gotham! Après, elle revient, elle, comme ça là. Elle me dit qu'elle est partie dans sa famille. Le courage qu'elle avait dans sa famille. Elle n'avait pas. Donc, c'est les gens. Tu vois, quand tes jeunes, ta famille te contrôle. Tu arrives quelque part, si tu es au milieu de comme ça, tu es frustré. Maman. Elle marche comme ça là. The Emperor, the Conqueror, the Champion, the Lion is here. Ils ont tous fui. À l'église, on dit que la paix du Christ. Chacun fuit comme ça, il fuit. Tu vois, quand quelqu'un envoyait les démons sur toi pendant au moins 3 ans, vous voyez finalement un événement familial. Est-ce qu'il va venir te saluer? Hein? Ils ont dodge comme ça là, comme ça là. Comment vous allez wonder sur le courage qui va vous prendre? Tu vas rester comme ça, quelque chose va te. Tu vas te lever. Mais attends. La mère va dire que je parle, elle se lève, elle me manque de respect. Non, ça c'est la nouvelle toi là-bas. C'est ta nouvelle version là-bas. On ne te fait pas chier. On ne te fait plus ça. Moi avant, voici une des peurs que j'avais. Voilà comment une personne de ma famille m'intimidait. N'est-ce pas, quand tu vas mourir, c'est nous qui allons t'enterrer. Vous m'avez trop eu avec ça. Tu vas mourir, c'est nous qui allons t'enterrer, non? Ah, oh, ok. Dernièrement, j'ai eu un événement ici. Les gens sont quittés d'ailleurs, voyager, faire les 6 heures de route pour venir préparer pour moi. Pour venir se mettre, dormir sur le sol, sur les matelas qu'il y a mis au sol, qu'on va préparer seulement pour toi. Tu seras surpris de savoir ce que Dieu a en réserve pour toi. Les gens qui t'ont fait du mal. Les gens qui t'ont fait du mal. Donc tu es en train de dire que je suis seul. Tu n'es pas seul. Dieu te prépare des gens. He has chosen some people for you. Tu vas rester comme ça là. Et vous pensez à nous la chair de poule. Oh. Dieu. J'ai mal à trouver avec Dieu. So. Maintenant qu'elle pense à quelque chose, qu'elle pense à quelque chose comme ça là, le lendemain on trouve la personne de ça. Il y a une dimension dans laquelle tu es en train d'arriver là, hein? Une autre dimension. Tu restes comme ça, ça se fait seul. On se moque de toi, tu fais 20 ans en bain. 20 ans en Europe, tu n'achètes pas la maison, rien. Tu reviens en Afrique, dans rien, dans zéro.
On se moque de toi. Tu sers Dieu, tu fais ce que tu as fait, tu sers, tu aides, tu fais. 6 mois plus tard, quelqu'un. Oui, voilà. J'avais pensé à faire. Je veux vendre ma maison si tu vois. Je n'ai même. Voilà, c'est vrai que c'est 300 millions, mais même si tu as 100 millions, tu me donnes. Hein. Même si tu as 100 millions, tu me donnes. Même les 100 millions, là, tu sais. Paye-moi même ça en 4 ans. Oui, on fait les papiers la semaine prochaine. Oui. Semaine prochaine, maximum dans 3 mois, tu as tous les papiers à ton nom. Servez Dieu, servez, servez. 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 Il y a un témoignage que je ne peux pas mettre sur TikTok, je parle, ni sur Facebook. Que ce soit même les témoignages de certaines personnes, que ce soit même pour moi-même. Parce que moi, j'ai tout dit à Dieu que, Seigneur, moi, je ne veux pas donner aux gens, moi-même, je n'ai pas. La main qui sert, elle doit être mouillée. Mouille-moi. Je ne peux pas rendre les gens riches, je suis pauvre. Je ne peux pas être pauvre. Je ne suis pas reine des pauvres. Non. Est-ce que tu as des exemples concrets de benguistes? Soulé, attends, tu te bloques même. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui peut acheter un de mes produits. Pardon, quitte ma page. En passant, je bloque les gens, oh, ceux qui viennent d'arriver. Je bloque moi souvent les gens. Eh. Tu as compris? Je bloque. Je bloque moi. Oh. Ce que j'enseigne, c'est d'esprit en esprit. Si votre esprit n'attrape pas ce qu'il dit, vous n'êtes pas mes gens. Ne poursuis pas moi la masse. Ne poursuis pas la masse. Si ce qu'il dit là, ça ne résonne pas avec toi, tu n'es pas ma personne. Never. C'est d'esprit en esprit. Ça sort de mon esprit, ça part dans ton esprit. Quand ça te touche ton corps, ça te dit, tu dis que, hé, hey, la fille, là, comment elle connaît? L'agneau t'a parlé. L'agneau te disait, depuis une semaine, on a te dit. Que reçois ta maison, tu dis, yeah, ça va venir d'où? Ça fait seulement 6 mois que je suis au pays, je ne connais personne, je n'ai rien dans mon compte bancaire, je n'ai pas économisé l'argent. Il est venu là, reçois ta maison. Oh là, ça a le goût. Écoutez, j'ai compris un truc avec Dieu, c'est quoi? Quand tu vas devenir riche, tu le sais. Écoutez, c'est une croyance. La preuve, là, tu as peur, non? Si tu check bien, il y a de cela 6 mois, tu avais plus peur que maintenant. La peur est en train de sortir de ton corps. C'est en train de sortir de ton corps. Supposons avant, tu avais 2000% de peur. Maintenant, tu es à 60%. Dans 6 mois, ce sera à 2%. L'argent va venir, tu connais. Tu connais. Arrêtez de faire chercher le mot avec Dieu. Seigneur, je ne veux pas, je ne sais pas si tu veux que je sois riche. Seigneur, je ne sais pas. Dis-moi, Seigneur. Seigneur, dis-moi, je ne suis pas sûr. Non, ce n'est pas le même Dieu que je connais là. On ne parle pas du même Dieu. Non. Waouh, tu as rêvé que je suis venu te voir à Ouaga. Ça veut dire qu'il faut qu'il vienne là-bas. Tu vas rencontrer demain, je suis à Abidjan. Je ne suis pas au Cameroun. Quelque chose au Cameroun, vous ne venez pas. Vous ne venez pas, vous ne. Quittez là-bas. Écoutez, l'argent vient avec la joie. Le bonheur, ça vient avec la joie. Donc tu restes comme ça, tu sens dans tes os. You feel it in your bones. T'en es venu nettoyer les consignes. Tu le sens dans toi. Que non. Quelque chose va se passer. Something. On te voit le matin, tu corondes. There is something that made me come into your presence. My helper. My helper. Mais pourquoi la femme s'est contente comme ça? Parce que je comprends. Je comprends maintenant. Money is coming. Je viens au Bénin. Qu'est-ce que vous avez pour moi là-bas, les Béninois?
Depuis que le président de Burkinabé a fait ce qu'il a fait, ça me donne envie de venir vite là-bas. Hein. There is something that made me. Tu as vu une de mes vidéos, tu as été bloqué par ta tante. Oh. My helper, oh, my helper. You are my helper, oh. Je ne suis pas là pour parler de vous, hein. Je sais que vous êtes un peu égoïste sur ma page. Je ne parle pas de vos rêves, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de vous. Celui qui est là, il écoute ce que je dis, il attrape sa part, il l'a attrapé. Je suis là pour te dire que les gens qui t'avaient enterré, tu vas t'élever, tu vas progresser, les choses vont marcher. Tout ce qu'ils avaient bloqué, ça va marcher encore. Ils auront honte, ils auront honte. Mais on avait laissé la fille ici, là. Elle était comme ça, là, non? Ah. Oh. On te laisse sur loin une chambre. On revient 2 ans plus tard dans ta villa. Payé, cash. Tout réglé. Les gens qui t'ont enterré. Hmm? Supposons qu'on t'a escroqué 2 millions. Oui, ouvre la porte. Oui. Il y a un monsieur qui est un animateur. Il me dit que vous avez demandé que ceux qui ont fait les achats. Il a acheté quoi? S'il n'a rien acheté, il ne donne pas ma terre. Il me dit qu'il a acheté aujourd'hui, madame. Il a acheté quoi? Il te prouve qu'il a acheté. Le bâton, le commandement qu'il a acheté des places. Le bâton? Oui, madame. Non, le bâton, c'est rien. Tu as acheté les produits. La terre suffit avec le bâton. Quoi. Non. Dis-lui qu'il prend le sel. S'il prend le sel, tu donnes la terre. S'il ne prend pas, tu pars. D'accord. Je ne peux pas sur mes lieux, ça peut prendre ma terre pour qu'on vienne prendre gratuitement. Jamais. Ah. Les Burkinabés, là, vous m'appelez comme ça beaucoup, pourquoi? Est-ce qu'il faut le visa pour arriver chez vous là-bas? Pour les gens de l'Afrique centrale. Je vais envoyer la terre en Bengue la semaine prochaine. Il enverra la terre en bain la semaine prochaine. Mais c'est pour ça qu'il achète mes choses. Si tu n'achètes pas, il ne te donne pas ma terre. Moi, il vous dit. Je suis parti. Si je voyage, je suis allé loin sur un lieu sacré pour prendre la terre là. Donc, vous mettez ça dans l'eau, vous vous lavez avec. On t'a laissé, non? Merci beaucoup de l'eau. Non, moi, je vais entrer dans un pays par l'avion. Je ne peux pas venir par la route, pardon. Congo Brazza, je vais venir, vraiment. Congo Brazza, trop de personnes au Congo Brazza. Tu as pris la terre ne sera pas au Gabon maintenant. Je vais envoyer ça, ce sera au Gabon la semaine prochaine. Pas lundi, si l'autre lundi. Je vais d'abord en Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas encore arrivé au Sénégal. Inès, je suis au Gabon. Le Gabon, c'est mon pays. Moi, je suis gabonaise. Je vis à Akanda. Moi, j'ai mon local là-bas à Louis. Tu ne me connais pas. Hmm? Burkinabé, faites comme ça. J'arrive là-bas chez vous. Vous ne venez pas me voir. Vous allez l'île. La terre, hein, la terre, c'est comme, c'est une terre bénie. Je suis allé dans les lieux, un lieu sacré l'autre jour, j'ai pris. Je suis allé sur un lieu béni, j'ai pris. Et cette terre-là, tu la mets dans ton eau. Tu pries, tu dis que voilà, tu vas enlever les blocages sur toi. Et tu te laves. Tu te laves avec. Même la terre de ton lieu sacré, de ton village. Oui.
Par exemple, celui où j'ai pris ça là, c'est un lieu sacré de tout la Mifi là-bas, tout l'ouest là. C'est un lieu sacré, c'est pas pour quelqu'un en particulier. Take my number de là, 237-693-502266. C'est le gars qui a demandé le boulot ici l'autre jour. Je l'ai appelé. J'ai demandé qu'on l'appelle. Il n'est pas venu. Demande-lui si c'est lui. Il s'appelle Collins, non? Demande-lui un peu. La terre, je serai au Roli. Je crois que tu es au Gabon, Roli. Je serai au Gabon avec ça la semaine prochaine. Pas cette semaine-ci. Et ma terre, je ne la donne qu'à ceux qui ont acheté mes produits. Je vais acheter mes produits, je te donne ma terre. Point barre. Like, aussi simple que ça. Très simple. Ok. J'insiste beaucoup parce que il y a beaucoup d'entre vous. Donc, on vous a déjà fait tellement de mal que vous pensez que le mal que les gens-là vous ont fait, ça va dominer sur vous. Oui, il y a quelqu'un qui va venir avec ça. Si tu as reçu la terre de votre lieu sacré clair de lune, il faut te laver avec. Surtout les jours où tu as les problèmes là, très, tu vois. Pense à, tu parles dessus. Tu peux même mettre ça dans le savon, tu frottes sur ton corps. Si tu as plus de terre, tu frottes sur le corps, tu frottes, tu parles. Si c'est à n'importe qui te bloque, tu appelles tes ancêtres. Tu vas voir, la nuit là, tu vas arriver, on va te montrer les solutions dans le rêve. Beaucoup de personnes vous ont fait du mal, ils vous ont abandonné. Et ce mal-là, en fait, c'est comme une cicatrice qui fait mal encore. C'est comme une cicatrice qui est douloureuse. Il faut que tu oublies. Alex, si tu as acheté beaucoup de produits, tu n'as pas besoin de l'acheter. Mais il faut qu'on poste. Moi, je ne paye pas vos frais de poste. Je ne paye pas vos frais de poste. Ça, c'est aussi le truc. Tu peux prendre même un bracelet, on met dans le paquet, on t'envoie. Je ne payerai pas vos frais d'envoi. Je vais prendre le truc, la terre, je vais acheminer à Paris. Si tu es à Paris, tu viens chercher toi-même. Voilà. OK. Les blessures émotionnelles sont des choses que parfois tu restes comme ça, les ancêtres te parlent. L'esprit te dit que voilà, tu es en train d'entrer dans ta saison de succès. Tu commences à te dire ah. Et j'ai fait une vidéo sur TikTok sur le sujet. J'ai dit que si vous abordiez tous les aspects de votre vie comme un bébé qui cherche à marcher, merci pour tes cadeaux clés de lune, ce que tu n'aurais pas peur de certaines choses. Vous me suivez? Si tu abordais les événements de ta vie comme un bébé qui essaie de marcher. Tu viens, tu vois un magasin ici, là. Quelqu'un vient là-dedans, il sait, il vole ta marchandise, tu continues. Quelqu'un vient, il vole encore, tu continues. Quelqu'un vient, tu continues. Oh, merci, qui m'a envoyé ce truc-là? Monsieur Soldat, je suis encore en train de faire mon site. J'ai au moins eu, ça c'est un exemple. J'ai déjà eu, en mars, on m'a fait un site, ça a craché. Le mois passé, j'ai encore lancé un autre. Donc, j'ai lancé le gars, il se sera terminé le mois prochain. Au Cameroun, tu vas voir toute qualité de gars qui vont te dire, je peux faire, je peux faire. Donc, j'ai à payer pour ça jusqu'à... Donc, les gens m'envoient l'argent par PayPal quand ils veulent payer ma marchandise. Voilà, on te disait que les choisis n'abandonnent pas. Oui, établissement, quelque chose, Austin, c'est la sauge. Il n'est plus venu, pourquoi, monsieur Abessolo? Et ces blessures-là, vous aurez tendance à croire que, comme ça a échoué l'année passée, le mois passé, ça va encore échouer. Même les relations amoureuses.
N'aie pas peur de te lancer encore. N'aie pas peur. Oui, il vient, il fait, après il part, quoi, et puis quoi? Hein? Et dis, m'apprends le numéro que tu écris au Cameroun. Relis, il y a la sauge. J'ai dit que c'est arrivé, j'ai commandé la sauge, c'est venu de l'autre côté. Donc, c'est arrivé, je vous ai dit ça l'autre jour dans le direct, avant-hier ou hier. Oui, la sauge est disponible, sera disponible à Libreville la semaine prochaine. Je vais d'abord aller en Côte d'Ivoire. Si les gens de Burkina, si vous parlez bien, je viens au Burkina. Et puis après ça, je repars au Gabon. Tu aimes mes yeux, merci. Oui, je viendrai avec la sauce. Je suis en train de venir avec ça en Côte d'Ivoire. Demain, vous aurez ça là-bas. Je serai, le local en Côte d'Ivoire, c'est aux deux plateaux. Deux plateaux, à Abidjan. Je ne réponds pas à vos questions sur les heures miroirs. Laissez-moi tranquille. Allez sur Google. Bonjour Google. Que veut dire un miroir? Google va te dire. Voilà. Il faut arrêter d'interrompre mon direct pour ça. J'insiste sur ceci. Ce n'est pas parce que ça a échoué l'année passée que ça va plus marcher. Ça va marcher. Parfois même, j'enjoy la chose tant que ça dure. Le jour où ça finit, c'est fini. Je ne vais pas rester sur un tel enjoy. Je dis que, ah, et quand ça va finir, fais comment? Ah, quand il va me quitter, il fait comment? Ah, s'il part demain, je fais comment? Je vais en Côte d'Ivoire seulement pour 4 jours, papa. 4 jours. Moi, je ne dure pas dans vos pays, là. Que ça va marcher. Igowaka. Et si ça ne marche pas, j'ai quand même un joy, non? Supposons que tu es en train de manger le chocolat avec ton gars. Parlons de chocolat, s'il vous plaît. Tu dois reprogrammer ton subconscient pour la douleur. La douleur, c'est quoi? Si les femmes pensaient à la douleur, est-ce qu'elles accoucheraient? Vous, là, vous avez 5 enfants, là. Ça a fait mal, tu as poussé, il ne fait plus, il ne veut plus jamais accoucher. Hein? Le mois prochain, on voit l'enfant dans le ventre. N'est-ce pas? Faut laisser tes bêtises là. Va là-bas, on te fait mal encore bien même. Va là-bas, on te fait encore mal. Tu as donné mal au chocolat, tu ne peux pas penser au chocolat. Parce que tu te dis que, et s'il me trompe? Non ma chérie, même si le gars là te trompe, pour l'instant, il est sur toi. Hein? C'est pour ça qu'on prend la vie maintenant. Hein? C'est ça que vous n'aimez pas les choses comme ça. Attends, même s'il a 5 filles dehors, pour l'instant, il est dans qui? Ah, ça ne peut pas être toi qui entres dans lui quand même. C'est toi la go, non? Ouais, pardon, laissez, je ne t'encourage pas à sortir avec un homme marié. Je ne t'encourage pas. Les hommes mariés, c'est ce qui m'énerve. De nos jours, on ne trouve pas les hommes mariés qui veulent être polygames. Ils veulent seulement te garder dehors. Si l'homme-là veut te prendre comme deuxième femme, il part, il voit la famille, t'épouse. Laissez-moi ça. Les hommes mariés sont devenus trop sages de nos jours. Il faut laisser ça. Vous me suivez? Le volume est bon. Voilà. Les hommes mariés qui sont tellement malhonnêtes là. Il vient chez toi. Il laisse sa maison, il ne paye pas l'hôtel. Il vient chez toi. Est-ce qu'il paye ton loyer? Qu'il fasse, lui de le faire face à sa femme. Je vais être ta deuxième femme, chérie, ça te va. Appelle tout le monde, on se met ensemble. Voilà, lui, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas la personne qu'on cache derrière là. Je ne suis pas. C'est ma part là-bas. Hein. Chacun voit sa part qu'il accepte dans sa vie. Une fois, j'ai rencontré un monsieur, la première fois qu'on se parle, il dit, ouais, voilà, moi, je suis marié, mais je suis pour la polygamie, ouais. On commence à sympathiser. Il voit le gars avec, il me dit, non, à telle heure, ma femme est là, il faut que je fuis pour aller parler. Il dit que, hey, il ne va pas te transformer en bandit, papa. Tac, non. Tac, non. Faut laisser. Te transforme pas en bandit, monsieur. On fait servir notre fille.
Ouais, TikTok quitté là-bas. L'homme marié vient, je t'ai cassé ton lit, comment? Oh. Il veut la polygamie. Après, il se cache seulement pour te parler. Les jours, tu sais qu'il est. Quand il est en mission, il te parle jusqu'à 3h du matin. Quand il repart à la maison, pion, tu fais le message, même bonjour. Il lui dit, hey, même répondre bonjour, papa. Non, pardon. Mon conseil, t'as non. Laisse-moi. Faut me laisser. Ils sont trop forts. Donc, je vous disais d'enjoy le moment présent. Vous me suivez? Enjoy le moment présent. Comme il a été dit que wow, wow, wow. Même si tu as n'importe combien de gars, de go. Hein? Pour l'instant, tu es où? Tu es dans qui? Enjoy ça. Voilà. Ma chérie, le jour où un homme va te dire que tu m'as utilisé, tu vas te rappeler de mes paroles. Tu vas dire, hé? Eh? Non, je suis devenue utilisatrice. Ah, et le diplôme, le certificat. Ça se passe sur mes thèmes. Mes propres thèmes. La traversée pour la Belgique. Ok. Mon traversée, ma chérie. Faut faire ta libation le jour où tu vas traverser. Que les chats doivent vivre. Moi, mon chat, il est comme Garfield. Prenez le chat, vous le nourrissez bien. Tu veux le cacher, pourquoi? Voilà, quand tu es en train de te développer en spiritualité, chercher le mariage, ce serait néfaste pour toi et pour tes dons. Parce que quand ta spiritualité se développe, ce qui suit, c'est l'indépendance financière. C'est la prochaine étape. Tes dons commencent à s'ouvrir. Après, tu commences à dire, mais je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Après, tu dis, mais je veux avoir plus d'argent. Après, tu dis, tu vois, c'est comme ça ta spiritualité, ce sont les étapes. Si tu as connu quelqu'un quand tu étais encore employé, caissière, je ne sais pas trop quoi, et 2 ans plus tard, tu veux te retrouver à la tête d'une grosse entreprise, ça ne va pas. Tu as un nouveau gars, il veut t'épouser, c'est quoi le problème alors? Le contact pour Abidjan, c'est le. Demain, ça va sonner, le téléphone avec moi aujourd'hui. C'est le 07 79 Abidjan. 07 79. Demain, tous les produits que j'ai ici, je vais venir avec ça à Abidjan. 07 79 02 52 05. Tu commences avec l'homme aujourd'hui. Tu n'étais pas obligé de te mettre avec lui maintenant. Hein? Je ne vous encourage pas à manger le chocolat, mais manger le chocolat ne veut pas dire qu'on est engagé avec la personne. Commencez à utiliser les gens. Je peux manger le chocolat, mais le lendemain, tu m'appelles, ne décroche pas. Manger le chocolat ne veut pas dire que tu mérites d'être mon gars. Hein? Mais voilà! En France, il était aux poubelles. Maintenant, en Algérie, il a son entreprise de chocolat. Mais c'est bizarre que tu aies l'entreprise de chocolat. Monsieur le soldat, est-ce que tu sais que le mot chocolat, là, ici, c'est un mot très précieux dans notre groupe, là? C'est un mot très précieux, hein? C'est un mot très précieux. Oui, on poste au Burkina, on envoie au Burkina. Monsieur, on a mangé le chocolat ensemble. Ça ne veut pas dire que tu mérites d'être mon gars. Tu ne mérites pas d'être mon roi. Et que tu sais que c'est que c'est. Regardez-moi même, regardez-moi, regardez-moi comme je suis là. Vous croyez que c'est n'importe qui mérite d'être avec moi? Hein? C'est quoi sur ma tête? Contact de la boutique 693 50. Prenez de quoi noter. Quand tu veux noter, tu me dis, je suis prête. Soldat, non, on ne parle pas du même chocolat, laisse. On parle pas du même chocolat. Tu as compris? Il me demande si j'aime le chocolat. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas un roi. Mais j'ai dit que ce n'est pas n'importe quel roi. Pas n'importe quel roi. Donc maintenant, il y a les gens de votre famille qui vous bloquaient là, qui savent que. Ok, tu es prêt pour le numéro 1. Hein? Quel pays? Numéro du Cameroun, c'est le 693 50 22 66. 693 50 22 66. Soldat, tu dis que tu n'es plus là. Hein?
Côte d'Ivoire, 0779. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. 0779. 02. 52. 05. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je vais venir sûrement au Burkina prendre un numéro de téléphone là-bas aussi, puis faire tous les... Comme ça, vous pourrez payer, parce que vous avez beaucoup de difficultés pour payer dans les comptes dans vos pays-là. Aller tout le temps en Western Union, là, c'est fatigant. Donc, je viendrai peut-être ouvrir des comptes là-bas. Je viens ouvrir les comptes Orange Money et puis je... Comme ça, vous pouvez payer facilement. Le Gabon, c'est le 074 18 0080. Gabon, 074 18 0080. Tu veux faire un bon choix. Je dis, je vais te surprendre. Ne choisis même pas maintenant. Ne te mets pas en couple. Tu as suivi. Je n'ai pas encore le numéro au Bénin. Pour le Bénin, vous envoyez ça au Burkina. Si tu as beaucoup d'hommes qui viennent vers toi, ne te mets pas en couple. Ça veut dire que ta vibration est en train de monter. Et dès que tu vas te mettre avec l'un d'entre eux, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi, allez, dites-moi, 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 dites-moi. Dites-moi, 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 dites-moi vite. Dites, quand ta vibration monte. Bébé, je t'aime. Oh, de toutes mes ex, tu es mon ex qui me ex le plus. J'ai aimé manger le chocolat avec toi. Ça va descendre, bien sûr. Merci. Donc, ne te mets avec personne. Pas manger le chocolat une fois de temps en temps. Hein. Tu pars, tu manges ça bien. Il s'amuse, tu mets dedans. Il dit que tu es son bestie, tu es sa besta. Hey! Non, 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 mes conseils, là. Non. Il faut pas. Pour atteindre le niveau où tu peux aller faire bestie, besta, là, il faut que tu sois vraiment forte parce que beaucoup d'entre vous êtes encore fragiles. Tu peux pas encore, tu es encore fragile. Tu vas aller une fois, quand tu vas, il va s'amuser, tu mets dedans. Une fois là, vous allez, après tu vas rester, tu vas penser à lui. Le lendemain, tu vas lui écrire, tu vas dire bonjour bébé. On ne fait pas ça. Détachement émotionnel, je vous ai dit ça. On est en cours là, les cours ont déjà commencé. Oui. Pardon. L'autre là est. Oui, donne-lui ça à 4 000, c'est normalement 5 000, donne-lui ça à 4 000. Et tu, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne vienne pas l'autre jour? J'ai demandé à quelqu'un de l'appeler. Demande-lui si son téléphone n'a pas sonné. D'accord. J'ai appelé, je lui ai dit qu'il va venir ici pour faire l'essai. Va lui dire ça. Comme les gens sont bloqués ici dehors, comme quoi là. Pythagore, mange d'abord ton argent. Tu cherches la femme, pourquoi? Le détachement émotionnel. Qui sait ce que c'est que là? Le détachement émotionnel. Allez, dites-moi. Dites-moi. Hein? C'est quoi une bestie? C'est quoi besta? C'est quoi détachement émotionnel? Tu es en train de te connaître spirituellement, ton homme t'attire, puis c'est très dangereux. Parce que quand une femme est en couple et elle grandit émotionnellement, spirituellement, c'est très probable qu'elle n'aime plus, qu'elle n'ait plus l'attirance pour lui. Détachement émotionnel, ça veut dire qu'on ne met pas le cœur. On ne met pas les organes. Vous savez quand vous êtes trop forte là, quand vous êtes avertis de manger le chocolat. Oui, ce sera toi pour toute la vie. Oui, jamais personne d'autre. Pourquoi lui ferme sa bouche? Pourquoi il ne parle jamais? C'est toi qui parles. Hein? Tu manges seulement le chocolat. Tu enjoys même le chocolat plus que lui. On met le chocolat à table, tu finis tout le chocolat. Non, on n'aime même pas d'abord. Tu dis aimer ça, montre qu'on aime. Tu n'aimes même pas d'abord. Tu ne laisses pas ton cœur est comme le chien, non? Tu mets la laisse sur ça. Quand le chien vient avec toi, il va. Tu dis, hey, viens, cela. Miss Anna, bonjour. Mon numéro est dans ma bio. On ne met pas les organes, on ne met pas le cœur. La main, et si les pulsions augmentent? Ma chérie, c'est pour ça qu'elle dit que ce n'est pas tout le monde qui peut encore pratiquer le niveau-ci. Parce que. Je vous ai dit que c'est quand ton donne-moi tout est devant toi. Tu as mis le sel dans l'eau. Tu as pris un kit, tu es en train de faire. C'est là-bas que tu mets tous tes organes. Au début, on observe seulement.
Vous ne pouvez pas vous détacher émotionnellement de quelque chose tant que vous y résistez. On ne résiste même pas en fait. On utilise la chose. Tu as besoin de puiser l'eau, tu prends le seau, non? Hein? Même lui, il parle, je t'aime plus que ma mère. Non, c'est quel genre de gars avec lequel tu étais? Généralement, les gars ne parlent pas. Quand vous mangez le chocolat, ils ne parlent pas. Parce que ton énergie, ton penser à quelqu'un, c'est... Ah, aïe. Généralement, vous là, on vous a dit que vous êtes bonne femme parce que tu mettais toute ton énergie, tout. Tes organes, ton tout. Même ton argent, aussi bête que tu étais. Il dit que je t'aime, tu es une bonne femme. Écoutez, les dieux peuvent se détacher sans souci. C'est pour ça que tu peux facilement voir qu'il t'a trompé. Alors que toi, si tu le trompes là, hein, il va sentir. Il va venir, il va te toucher, tu ne vas même pas vouloir. Alors qu'il peut te tromper dans la journée, pas avec une autre personne, il revient le soir, il te touche. Ma chérie, c'est parce que tu n'as pas bien travaillé sur ta vibration. Quand tu as une bonne vibration, tu ne peux jamais manquer le dragueur. Et ce n'est même pas ça qui est important pour toi. Tout ce que tu faisais quand tu étais amoureuse les premières années de ta vie là, quand tu étais encore bête là, hein, tu inverses. Tu inverses. Tu as l'envie d'aller préparer chez lui, tu dis non, je ne pars pas. On part manger dans quel restaurant? On mange dehors, monsieur, je ne peux pas chez toi. Je ne peux pas chez moi pour que tu viennes manger chez moi. Je ne me casse pas pour toi en fait. J'ai dit que quoi? La dernière chose qu'elle dit, c'était quoi? J'ai dit que quoi? Dites-moi. Dites-moi. On ne se casse pas pour qui? Non, il ne se douche pas, il vient te faire avec la soeur de Maëlys. Non. C'est quel genre de gars sale comme ça là? Non. Tu commandes quand même avec les hommes propres. Le genre d'homme que tous les 5 minutes, il veut quand même essuyer son corps. Il dit, moi, tous les minutes, il veut se parfumer là. On a dit qu'on ne sortait plus avec les pauvres, non? Les pauvres sales, sales là. On ne sort plus avec les pauvres quand même. Merci, Martial. On ne se casse plus. Tu vois, tu te cassais avant. Est-ce que vous savez que dans une relation, hein, soit c'est toi qui te casse, soit c'est l'autre personne qui te casse. Hein? Soit tu te casses, soit il se casse. Et quand vous commencez une relation, au départ, tu n'as pas encore mis ton cœur. Et le cœur, là, vient à la fin. Le cœur, c'est comme le cube que tu mets à la fin du repas avant de soulever l'amitié au feu. Hein? Ma reine, vos leçons me font empoisonner ma petite soeur. Je la forme jusqu'à... Ton goût de chocolat a changé, non? Voilà. Tu te demandes chaque fois qu'est-ce qui m'avait même pris. Le chocolat, hein? Le cœur, c'est le dernier ingrédient. Donc, tu prépares pendant 2 heures de temps, tu finis tout. Parfois, même, tu peux. Est-ce que tu peux dans une relation, tu ne mets pas le cœur? Du début à la fin. Là où je suis là, je ne suis pas spirituel, je ne parle pas de spiritualité, laissez-moi, je parle de chocolat. Je parle de chocolat, il y a les femmes ici là que le truc drague, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait. Donc laissez-moi, je parle d'abord de ça, laissez la spiritualité un peu à côté. Il y en a ici là que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, donc ça gratte. Le soir, si on sait, elles auront tendance à vouloir se masturber. Chose que je vous déconseille, s'il vous plaît. Ne vous masturbez pas, je vous en prie. Spirituellement, c'est un portail très dangereux. Et si vous le faites actuellement, prenez... Le kit fondation, ça va vous aider dans ce sens-là. Je vous connais, non? Vous venez en inbox, vous confessez que voilà, je fais comme ça là. Je connais. Elle est en inbox. Oui. On l'a appelé, il n'a pas décroché. Prends le numéro de Stéphane, tu lui donnes, tu demandes qu'il regarde dans son téléphone. En tout cas, ça va, je ne veux pas discuter. Demande-lui de venir demain. Oui, il va venir demain.
À midi, pourquoi il travaille où le matin? Dis-lui que je veux les heures fixes de travail. Il me suit depuis longtemps, je l'aime beaucoup. Mais seulement, il y a un blocage sur lui. Parce que chaque fois qu'il essaie, il voulait faire quelque chose avec lui, ça n'a pas marché. Donc dis-lui que je veux les heures fixes. Midi à quelle heure? Il te met ça sur un papier. Tu vas donner ça à Stéphane du département, là, de son département. Ouais. Oui. Que quoi? Une femme a dit que ta femme a volé son téléphone, non? Oui. Quel collègue qui a volé son téléphone? Non, 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 je dis que je ne fais pas ça. Je ne dis pas qui a volé le téléphone. Ok? Ton téléphone, on vole, tu viens dire que tu veux que tu veux dedans. Regardez, hein. Spirituellement, vous devez comprendre que, mesdames, c'est vous qui avez le dessus. Peu importe ce qu'il y a dans ton corps, c'est toi qui contrôles. C'est toi qui peux décider que je me laisse aller. Du coup, tu vas commencer à parler avec les pauvres. Hein? Ah, de toute façon, je vais rester comme ça sans gars. Donc voilà, tu reparles avec pauvres. Alors qu'on avait parlé de faux pauvres ici là. Tu as dit que tu ne veux plus pauvres. On ne s'affole pas. C'est toi qui maîtrises la chose. Le truc, c'est que quand tu commences à travailler sur ton énergie maintenant, c'est toi qui choisis. Et cette fois, les thèmes sont différents. Les thèmes sont différents. Imagine pendant la période où tu t'abstiens. Tu t'élèves. Tu vois ce que tu veux. Tu travailles sur ton argent. Pauvre, c'est un pauvre. P-O-V-O. C'est un gars qui est très pauvre, qui n'a pas l'intention de devenir riche un jour. Et quand tu te sépares d'un pauvre, nettoie d'abord. Tu dois faire un nettoyage énergétique. Parce que quand tu quittes un pauvre, tu ne te fais pas ton nettoyage. Il est possible que tu attires encore notre pauvre. Oui. Parce que tu as l'énergie qui attire les pauvres. Donc ton problème, ce n'est même pas de chercher à aller manger le chocolat. Tu as une énergie qui attire les pauvres. Oui. Sera là demain, midi 30, comme le matin c'est un peu le commerce là, donc le matin il n'y a pas le temps, il sera là midi, midi 30. Il va venir, vous allez l'observer, parce que souvent les gens disent qu'il y a des gens qui aiment seulement souffrir, ça va, il faut laisser, je ne vais plus parler de lui, ben. Merci. Tu nettoies d'abord l'énergie de pauvre qui a sur toi, parce que voilà ce qui m'est arrivé une fois. J'avais un pauvre. Tu vois, parfois, c'est même comme si c'est la malchance qu'on a mis sur toi. Hein? Monsieur Marini, si tu sais que tu es pauvre, ne commente pas dans mon direct. Dieu ma victoire, l'histoire de chocolat. Les gens qui sont nouveaux dans mes directs, vraiment, je suis désolé. Attendez, bon, on va un peu vous expliquer. Posez les questions. Reine Roland, pauvre, oui. Pauvre, c'est un gars très pauvre. Les pauvres sont parfois beaux, ok? Parfois ils sont beaux, mais ils sont pauvres. La beauté n'efface pas la pauvreté, ok? Donc c'est pas parce qu'il est pauvre, c'est pas parce qu'il est beau et pauvre que tu vas accepter. Non, voilà, on peut gérer ta pauvreté, tu es beau. Hmm? Le chocolat, c'est quoi? Tu vois, quand tu rencontres un homme, non? Hmm? Il te plaît, tu lui plais. Vous partez maintenant dans une chambre et vous mangez le chocolat ensemble. Le dictionnaire est chargé. Il y a mangé le chocolat, il y a pauvre, il y a pauvre l'eau, il y a quoi encore là? Maëlys, je vous ai demandé d'écrire les mots du dictionnaire. Parce qu'on oublie, chaque jour on crée les mots, après on oublie. Mm-hmm. Bon, vous avez compris la décision du chocolat, non? Voilà. Quand tu ne sais pas du pauvre, tu dois absolument rompre les liens. Je vous ai demandé d'aller regarder en ligne comment faire comment rompre les liens sur YouTube. Vous cherchez comment rompre les liens. Ne cherchez plus les filles pauvres, il n'y a pas de problème. En tout cas, une choisie ne peut pas être pauvre. Donc, c'est une choisie que tu trouves là, elle ne peut pas être pauvre.
J'ai remarqué que quand je canalise une énergie, mes oreilles démangent. C'est bizarre ça. Quand elles commencent à recevoir les inspirations terribles là, c'est là que mes oreilles démangent. Il y a des personnes que pour eux c'est le nez. Ma part c'est l'oreille. Non, tu passes sur YouTube et tu écris toi-même, tu cherches ta part. Monsieur qui veut s'abstenir là, quitte là-bas avec l'abstinence, c'est quoi? Dieu a mis l'appareil là sur toi, pourquoi? Hein? Vorientons, oui, ça c'est un autre mot qu'on a créé l'autre jour. Dieu a mis l'appareil là sur toi, pourquoi? Pourquoi Dieu a, pourquoi il t'a pas créé la ferme en bas là-bas? Hein? Voilà, donc arrêtez de dire abstinence, abstinence. L'énergie du chocolat peut être utilisée à ton avantage. Pour uriner, il faut uriner par la bouche, il faut laisser ça. Tu dois être pauvre. Parce que c'est les pauvres qui ont toujours l'esprit fermé comme ça. Là. Quand ils voient les commentaires des pauvres, je peux vous sentir. Oui, la sexualité est très importante. Et beaucoup d'entre vous, quand vous dites même que vous voulez faire manger le chocolat même, c'est tout un art. Tu as mangé le chocolat avec quelqu'un qui est équilibré. Il n'est pas dans le chocolat principal. Il est seulement autour comme ça là. Il tourne autour du pot. Tu vois derrière les étoiles. Pardon. Quand on me parle, ça me plaît moi-même. Ça, le goût est... Aïe. Mes enfants ne voient pas ça, j'espère. Pour que mes enfants voient mes vidéos, hein. Quand tu manges le chocolat avec quelqu'un qui a un sens un peu plus accentué de ce que c'est, même le toucher est différent. Noëlla, tu sors d'où? Yeah, Noëlla, le toucher est différent. Ce n'est pas comme si on était le chien. Les animaux. Non. Tu es au Cameroun, je ne suis pas au Cameroun. À partir de demain, je suis au Cameroun. Ah. Ouais, Dieu ma victoire, il fait quoi le chocolat? Tu vas sortir de notre cou, hein? Parce que tu fais comme si tu ne comprends pas. Ton imagination n'est pas fertile, c'est comment? Aïe. Ah, yeah. Non, non, non. Voilà, équilibré, sagesse, intelligence. Et tu peux même d'abord, en parlant avec un homme, tu peux savoir comment il mange le chocolat. Tu vas voir qu'il parle là. Souvent, dans son dialogue, il t'amène dans les dimensions. Tu dis, oh, 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 oh. Deux choisis peuvent faire l'amour en pensée devant toi, avec leurs paroles. Ils se parlent, voilà, tu sens comment les gens sont en train de monter. Oh. Ouais, l'autre côté c'est arrivé. Un chocolat m'invite, non? J'arrive à voir le chocolat ne me plaisait pas. Quand il part pour me servir, je rencontre un autre chocolat. Oh my god! J'ai failli laisser le chocolat à la table pour me suivre l'autre chocolat. Oh my god. Non, le chocolat a été direct. Tu vois, non? Ça me plaisait encore le goût de ça dans ma bouche. Non, le chocolat a été... Il était lent. Il était lent. Avec on s'est dit que, oh, you don't know how to handle me. Eh? I can show you. je prends mon truc, tu vas me servir. Me regarde, madame, on se connaît pas? Il fait, ah, moi? Je dis, oui, madame, on se connaît. Il fait, pendant que vous êtes, je regarde comme ça là, je le check, tac, 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 tac. Je regarde et on se dit, oh, pourquoi je suis venu au chocolat là et. Oh! Je vous connais à trop, je suis devenu trop votre ami. Je dois vous dire les choses comme ça, c'est bon.
Oh Seigneur, oh, il dit que tu as la chance. Tu as la chance. Tu as la chance. C'est ça, encore respectueuse. Moi, d'avant là, je t'ai dit que j'arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas sortir avec les gens que vous n'aimez pas. Quand tu vas arriver, tu trouves quelqu'un qui est mieux. Tu vois que c'est quoi avec le gars là, non? Oh. Parce que la conversation même, ça te... You know, c'est plat. Il va m'ennuyer pour les deux prochaines heures. Et puis quand tu vas vouloir commander, il va regarder son porte-monnaie. Il va dire, oh, ne prends pas ceci. Ne prends pas la bouteille de vin. Prends le verre de vin. Prends le... Ah! Je veux la bouteille. Je prends un verre dans la bouteille. Laisse le reste. Hein? Oh! Non, moi, je suis tacleuse. C'est pour ça que quand les femmes viennent vers moi avec leur mari, elles font toujours attention. Ah! Non, laissez. Il y a les métiers que je devais faire, mais j'ai abandonné, j'ai laissé. C'est Dieu qui m'a sauvé, c'est Dieu qui m'a racheté. C'est Dieu. Dieu m'a sauvé. Non, mais le gars là, franchement, il était bien bâti. Quand il regardait devant moi la quarantaine, je regardais comme ça. C'était vraiment, c'était mon goût. C'était mon goût. Que l'aspect physique, non! Ça n'avait rien de l'aspect physique. Il y avait un truc. Il y avait un truc. Qui m'a regardé. Un autre gars aura fait genre, je connais la fille là. Non! Madame, je ne connais pas. Peut-être. Tu vois, ma voix change une fois, je commence à voir une fois. Et peut-être. Oh my God! Oh. Peggy Bernard. Oh là là, c'est quoi? Laissez-moi, quand il voit ça, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît, non, je suis content d'être content. Laissez-moi. Laissez-moi, j'enjoy mes choses. C'est quoi? Vous savez, avec tous les pauvres qui sont ici dehors, seulement c'est dur de trouver un gars que l'énergie passe même seulement pour 5 minutes. Ils ont tous le regard sec et froid, bizarre. Hmm? Il y avait de l'énergie positive. Tu m'as bien compris, Martial. Tu as compris. Mm-hmm. Non, mais sérieux. Hein? C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'homme avec qui tu te maries et l'homme qui te fait... Ouf. Et il y a des gens qui peuvent te donner des sensations sans que vous ne vous touchez. Oh, mais mes filles choisies là, avec les beaux yeux, les beaux gros yeux là, dites-moi, sortez, vous me dites. On ne va pas coucher, c'est pas forcément le... Non, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pour ça que souvent, certaines femmes sont très jalouses, parce qu'elles savent que... Peggy Bernard, je vais te bloquer, tes commentaires ne m'intéressent pas. T'as une énergie qui n'est pas pour cet endroit, tu as compris? On est là, on s'amuse. Tu as compris? Tu vois, il avait sa femme. Hein. Sa femme est là, ils sont bien. Ils ont leurs trois enfants. Ils sont mariés à l'église de Cologne avec des cloches qui sonnaient. T'as pas de soucis. Tu arrives, vous regardez. Il y a un truc. Certains d'entre eux, ce sont vos flammes jumelles, certains. C'est pas forcément dit qu'on est censé se marier, tout ça. Non. Il y a un feeling. Et il y a un truc qui t'attire chez la personne. Les gens confondent souvent et se disent que non, ça doit forcément être sexuel. Non! Mm-mm. Tu peux connaître ce genre de personne-là pendant 2 semaines. Hein. 2 semaines. Après, il sort de ta vie. Mais les 2 semaines étaient intenses. C'est comme si c'est 50 ans. Et le toupet, c'est que vous n'avez pas mangé le chocolat. Hein. Mais la personne, quand il te dit des trucs, ça te, like, you know, it triggers your mind. Il provoque ton esprit. Quand tu vois ça, tu dis que j'ai encore le voir. Tu pars avec le côté là où il travaille, là, tu guettes un peu. Dieu a créé quelque chose. Dieu a mis quelque chose dans nous là que je ne sais pas comment peut expliquer. Rires.
Vous mangez le chocolat avec les yeux. Maëlys, je te connais. Avec tes beaux yeux là. Surtout les femmes brunes là. Hmm? Brunes, trop belles là. On n'a pas besoin de 5 heures pour tomber amoureux de toi. Premier regard, boum, l'envoûtement. Non, Dieu a sauvé beaucoup de filles ici dehors. Parce que si vous décidez, vous faites les mauvaises choses. Aïe, 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 aïe. Dieu ma victoire, tu dois alors manger, tu dois manger du chocolat avec un homme. Non, Dieu ma victoire, pourquoi tu ne comprends pas vite? Expliquez-lui s'il vous plaît, il ne comprend pas vite. Le lit, ce n'est pas la finalité. Vous n'avez pas compris. Dieu ma victoire, manger le chocolat, ça veut dire, écrivez ici, vous le dites, s'il vous plaît. Elle dit que quand elle pense à ce qu'elle peut faire sans toucher quelqu'un. C'est ça en fait le pouvoir de choisir aussi. Parfois votre pouvoir est tellement fort. Et le plus dur, c'est que Dieu fasse que tu prennes ce pouvoir-là pour aider les gens. Napoléon, il appelle ça l'énergie sexuelle. Il appelle ça la transmutation sexuelle. Transmutation sexuelle. Il y en a ici, là, vous avez des robes rouges. Moi là, quand je mettais la robe rouge, avec mes talons aiguilles, avec le rouge à lèvres rouge. Hey! Non. Ce n'est pas la fête. Que ce ne soit pas le mariage. Priez que ce ne soit pas le mariage de quelqu'un. Parce que le marié là, il va me remarquer. Dieu nous a racheté. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Jésus, merci. Merci, Jésus, tu sauves. Seigneur, Jésus, tu sauves. Tu nous as sauvés de beaucoup de choses. Et le truc, c'est que les femmes de ces hommes-là sentent tout ça. Mais l'homme est tellement apprivoisé. La femme sait. Elle dit que la femme, donc, dès qu'elle te voit, elle sait que si mon mari, elle connaît le goût de son mari. Seigneur, pourquoi je vous donne des explications comme ça ce soir? La femme de l'homme la connaît. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vous détestent pour rien. Tu n'as pas encore vu son mari, mais quand elle te voit, elle sait que tu ressembles au genre de goût que son mari aime. Et tu les nerfs pour rien. Elle a vu tes gros yeux là, les gros yeux de dessin animé que j'ai là. Hein? Est-ce que si tu regardes son mari une fois comme bam, c'est fini. Le Seigneur m'a racheté, le Seigneur m'a sauvé. Chantez un peu ça, remercier le Seigneur. Il a fait pour moi des merveilles, il a fait pour moi des merveilles. Oh, Seigneur. Te voilà aujourd'hui, pas de make-up, rien. Regarde, pas de make-up, tu donnes. Imagine un instant, on fait l'erreur, on met un peu le make-up sur toi comme bang, 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 bang. Voilà, elle regarde tes rondeurs, elle s'étouffe seule. Les yeux de dessin animé, non? Chaque jour, mais présente-moi ton gars, non? Non, 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 il est occupé. Il est occupé, il est occupé.
Ah, maintenant, on attire les gens pour Jésus. Voilà. Quand moi j'étais à l'église, j'ai invité les gens avec ma beauté. Venez à l'église. Et les gars venaient jusqu'à... Les gars venaient. Sister Jocelyn invited me. Where is Sister Jocelyn? I want to see Sister Jocelyn. Le pasteur dit que, well done, my daughter. Oh non, j'ai trop ri aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Aïe. Mais oui, non, ta copine refuse que tu sois en contact avec ses amis. Elle connaît, elle est prévoyante. On ne prend pas de demi-mesure. On est prévoyante. Non, tu dis que de toute façon, mais oui, non, ne mangez pas le chocolat. Ne mangez pas, vous pouvez aussi rester à manger. Je dis que gros, je suis heureuse là, c'est que j'ai mangé le chocolat. Ne mange pas ta part. Reste là-bas. N'est-ce pas? Il t'a mis les mains dedans. Hein? Et c'est ton bestie, tu es ma besta. Tu es ma reine. Ma reine. Il t'a mis les mains dedans. Non, il faut que j'arrête. Faites-moi être sérieuse aujourd'hui, s'il vous plaît. Dites-moi d'être sérieuse un peu. Je ris seul. Voilà, Kébi, tu confesses. Un prêtre avait arrêté l'évangile parce qu'il était troublé par toi. Aïe. Aïe. Tu veux qu'elle soit sérieuse au flic? Je vous réponds quoi, Marcel? Tu m'as demandé quoi d'abord? Vous voulez même te bloquer tout à l'heure, Marcel? Oh, ma main a sa main un peu tardé. Aïe. Un prêtre voulait payer ta maison. Et, ah, aïe. Après, il m'a dit que le Seigneur a dit qu'il faut qu'il dorme chez toi. La maison qui a chanté, je mets dedans, n'a pas précisé ce qu'il va mettre dedans. Ah, Dieu ma victoire. Je vois pourquoi tu ne comprenais pas bien quand on expliquait le chocolat. Par exemple, tu dis que ton copain, son chocolat ne marche pas bien. Hey, yeah. C'est dangereux, ma chérie. Je ne sais pas comment les gens font pour ça en chocolat. Hein. Le chocolat, c'est la vie. Celui qui a dit que l'eau, c'était la vie, là. Le chocolat, c'est la vie. Mais elle ne serait pas sérieuse. Elle ne serait pas sérieuse. Il vous a dit tout à l'heure que vous ne pouvez plus tomber. Vous avez compris l'autre là, non? Vous ne pouvez plus tomber. C'est fini. Ta vie va maintenant marcher. Ta vie va marcher, ça va donner. Oui. Tu es bien, tu manges bien, tu bois bien, tu manges bien le chocolat. Quand ta vibration commence déjà à être bonne, on ne fait même pas d'abord le chocolat seulement pour faire. On n'a pas encore compris. Et voilà. Et non, on ne fait pas le chocolat pour faire. C'est comme si tu veux manger, tu pars au shawarma. On met la mayonnaise partout là, on badigeonne les frites, les ceci. Non. Non. Avec quelque chose de raffiné. Quelque chose de raffiné. Raffiné.
Je vous ai expliqué hier que tout ça commence d'abord par toi-même. Par toi. Par ta... Toi-même, tu dois aimer ta personne. Manger trop de chocolat n'est pas bon, bien sûr, Kébi. Le chocolat, c'est quelque chose qui est... C'est un peu comme si tu montais une montagne, tu montes. Tu déposes. L'acte de déposer un poteau au sommet, c'est ça, manger le chocolat. Tu déposes, pap, tu descends, tu passes une autre montagne. Entre deux montagnes, il y a beaucoup de temps. Donc, si tu fais ça tous les jours, les personnes vraiment spirituelles ne peuvent pas faire ça tous les jours. C'est un peu comme si tu as cumulé beaucoup d'énergie. Tu as ton paroxysme. Et là, tu viens. Il suffit juste qu'en pensée comme ça, là. Voilà. On souffle seulement sur le chocolat comme ça. Ça sort. Tu vois, quand tu restes longtemps sans faire le chocolat là, non. Tu as mangé le chocolat. Le chocolat se mange pas tous les jours. Même en réalité, si tu manges le chocolat tous les jours, tu vas grossir, non? Ça va pas bon pour ta santé, non? De temps en temps. Et quand tu manges, là, c'est bien raffiné. Comme quand tu manges les macarons là. Chaque acte que tu poses, ça doit provoquer tous tes sens. Vous voulez que je vous décrive? Hein? Ne me parlez pas de vos jumeaux. Je suis en train de parler de chocolat, ça me plaît. Laissez-moi avec vos jumeaux, vos rêves, vos cauchemars. Laissez-moi. Vous pouvez pas venir voir quelqu'un heureux, vous entrez dans son bonheur, vous riez. Hein? Peggy, je devais te bloquer depuis longtemps. Attends un peu, te bloque, Baba et Peggy. Peggy Bernard. C'est pas tout le monde qui reste sur ma page, papa. Bye. Tu vois? J'ai commencé à aimer tellement les choses, les petites choses bien faites. C'est bien que même le chocolat, j'ai dit. Parce qu'un chocolat bien servi prend beaucoup d'énergie. Ça prend de l'énergie. Parce que quand tu enjoy. Oh my god, pourquoi je fais ça? Le Seigneur m'a montré une énergie, il m'a montré. Oh my god, attendez, regardez. Oh my god, regardez. L'acte de manger le chocolat pour deux personnes, c'est comme si les deux personnes s'élevaient. C'est comme si vous faisiez un voyage astral. J'ai vu ça, ça me rappelle, une fois ça m'est arrivé. Jesus! J'ai prêché, j'ai parlé en langue.